J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour faire encore une semaine de vlog de Noël. Vous allez suivre en tout cas du lundi jusque vendredi mes petites péripéties avec mon scrap et surtout mon journal de Noël. Voir comment il avance. Alors je ne sais pas si les 2 dernières semaines je pourrais continuer à vloguer parce que je serai chez mes parents, mais j'essaierai au moins de vous mettre de vous faire des mini vlogs, alors peut-être pas avec ma tête comme ça, mais au moins pour vous montrer l'avancée de mon journal de dessin en espérant qu'il avance aussi vite que je voudrais. Donc aujourd'hui on est lundi. Il est 2 h, mon loulou, je viens de le coucher il y a quoi, il y a 10-15 minutes, il n'a pas fait de sieste ce matin, donc il est KO. Donc tout de suite, là j'ai ce midi ma fille elle a mangé vite, donc j'ai pu nettoyer tranquillement la cuisine tout à l'heure avant de partir. Et donc la cuisine est prête pour aller scraper. J'ai plus qu'à prendre mon gros bazar qui vous voyez pas mais tout est là. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs, regardez-moi ça. Voilà, j'ai tout mon bazar, un petit peu sur le canapé et toute une grosse partie ici. Et donc, je vais amener tout ça à la cuisine et puis on va scraper, hein? On va avancer ce délit décembre quand même un petit peu. Et j'ai pas reçu, j'ai surtout retrouvé une boîte de base de photos. Donc là, je vais surtout avancer sur les décorations de mes pages et ce soir, je ferai les mises en page, enfin les dimensions des photos et je les imprimerai parce que là j'en ai pas mal à imprimer. Donc là je vais surtout faire la décoration autant que je peux et ce soir au lieu d'avancer sur ma parce que j'ai pas beaucoup avancé, enfin ce week-end ouais, j'ai pas du tout avancé sur ma page en crochet, mais bon il y en a déjà pas mal quand même hein. Franchement je dois être à la moitié je pense. Donc si, bon, parce que de mettre en page les photos, ça prend pas trop de temps. Donc ça se trouve, je continuerai ce soir. Ou alors tout à l'heure, pendant que les loulous sont en train de jouer, peut-être que comme je vais souvent dans la chambre de mon petit, parce qu'il y a tous ses jouets et tout ça, je pense que je vais peut-être continuer le crochet à ce moment-là. Bon allez, on perd pas plus de temps. Go to scrapper. Thank you.
ça fait déjà 2 heures qui sont passées. Donc, je vous remonte un peu ce que j'ai fait pendant ces 2 heures. J'ai fait la petite page de présentation pour le calendrier de l'Avent. Parce qu'en fait, là, il faut que j'imprime toutes les photos pour que je puisse après mettre un petit coup de fuse. Vu que je ne les ai pas encore toutes faites, je vais attendre un petit peu. Là, ce sera pour mettre mon journaling. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse quelque chose parce que je vais mettre des pochettes. Peut-être que je vais mettre les photos en entière, je ne sais pas. Donc là, on a le même souci. Avec l'autre côté, c'est pareil. Hop là. J'ai fait la petite page de présentation. Ouais, j'ai mon loulou qui commence à se réveiller. C'est bien parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma fille. La petite page de présentation pour les playlists. La playlist de Noël. Et là, vous m'avez vu, dernièrement, j'ai commencé... En fait, je vais faire une double page avec un style de moonboard. Vous m'avez vu un peu le faire. Alors, c'est complètement au pif. Hein. Les dimensions ou même la mise en page, j'ai complètement au pif. Donc, je verrai bien comment ça se passe. Et donc, sur ce côté-là, ce sera dans ce sens-là. Et sur ce côté-là, ce sera juste inversé dans ce sens-là. Comme ça, ça fera, je pense, un peu dynamique. Ça peut être pas mal. Donc, on va voir ce que ça va donner pour cette double page. Alors, normalement, je dois mettre une photo ici. Qui va être là. Elle me paraît d'ailleurs bien petite. Non, c'est ça. C'est ça. Et là, il y en aura une ici. On verra bien. Ou alors, peut-être que je le mettrai dans le rond. Je ne sais pas encore. Donc, faut que je fasse encore mes petits bouts. J'ai encore pas mal de petits bouts à découper. Et ben, en 2 heures, c'est entre guillemets tout ce que j'ai pu faire. Parce que c'est déjà pas mal. Donc, ben, je verrai si je peux continuer demain. Ouais, je vais voir demain parce que j'ai peut-être un autre projet. Il y a le petit challenge du calendrier de l'Avent, le Scrap Didi, où il faut décorer la boîte où se trouve le petit le calendrier. Et j'aimerais bien y participer comme ça, juste pour rigoler, juste comme ça, sans une grande intention de gagner. Mais vu que j'ai pas mal de produits. Scrap Didi, je pense que ça peut le faire. Donc je vais peut-être faire ça demain, je verrai bien. Je verrai bien comment je m'en sors. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une petite mise à jour demain si jamais je scrape ce soir ou je fais quelque chose d'autre. Là, ouais, il faut vraiment que j'aille réveiller mon petit loulou et que j'aille chercher ma fille. Donc je vous dis à demain et juste en fait à tout de suite. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, moi depuis hier. Donc aujourd'hui on est mardi, il est déjà 2h20. Comme d'habitude je vous reprends l'après-midi parce que le matin je m'occupe de ma maison. Et aujourd'hui c'était pliage de linge, pour vous dire rien de très intéressant. Donc pour le programme de ces 2 heures, on va dire en croisant les doigts. Pardon, excusez-moi. Il faut que je filme, j'ai pas fait... les calendriers, j'ai pas fait celui d'hier et celui d'aujourd'hui, donc je vais le filmer. Il faut aussi que je mette en ligne celui de avant-hier parce que je l'ai toujours pas. Je l'ai ouvert, oui, je l'ai ouvert parce que je l'avais ouvert dans l'autre vlog, mais j'ai pas filmé. Donc faut que je le monte, que je mette en place avec le 12 aussi, et donc c'est ça pour l'instant que je vais faire, mais ça va être très rapide. Et après, on va continuer le journal de décembre. Et il va falloir que je découpe plein de petits carrés verts pour mettre dans ma page 1 et dans ma page 2. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire pour, en tout cas, aujourd'hui. Et si j'ai un petit peu de temps, eh ben, écoutez, on fera comme on peut. Hein, on fera ce qu'il y aura, ce que je peux faire. On prendra du temps au maximum. Ce que j'ai fait, c'est que là, vu que j'ai mes... je l'ai même pas ici... Je ne l'ai même pas pris ici, attendez. Voilà, je l'ai laissé dans le canapé. Pour en fait un peu embellir ça, j'ai sorti les pochoirs. Alors, j'en ai pas beaucoup des pochoirs de Noël, hein, donc j'ai sorti les trucs basiques des étoiles. J'avais acheté celui-là sur AliExpress, mais de souvenir, il est pas tip-top. Et j'ai sorti les petits points verts. Enfin, les petits points, hein, parce que je veux le faire en vert. C'est les petits points comme ça, un peu...
Pas de la même grandeur partout. Alors, je sais plus, bah, Scrapberry, je connais pas du tout. Ça fait une éternité que je laisse celui-là. Et après, tous les autres, en fait, c'est plutôt sur le thème de la mer. Donc, c'est pas terrible, terrible. Donc, on va essayer de faire ça là-dessus. C'est quand? C'est pas demain, c'est jeudi. Je vais sûrement à Cultura pour faire quelques derniers cadeaux de Noël. Ils sont pratiquement tous faits. Pardon, je suis désolée. Je me suis enrhumée dimanche, il a neigé. Donc, tout le monde était dehors. Et maintenant, je suis enrhumée. Je vais essayer d'acheter de la pâte de structure parce qu'à mon avis, la mienne, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Elle doit être dans un état catastrophique. Sinon, j'ai du gesso, mais le gesso, ça va être trop liquide. Donc, je pense que je prendrais plutôt de la pâte de structure. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour l'instant, eh ben, filmage de ça. Donc voilà, ça y est, j'ai filmé mes petites mes mini vidéos, hein, ça dure à peine 20 secondes. Donc, ah, je suis désolée. Donc voilà ce qu'on a eu pour le jour 12 et 13. On a eu des petites formes en acrylique. Je trouve ça super mignon. Je me demande si je voulais peut-être les faire en shaker, mais ça va être compliqué en fait. Par contre, je peux faire de la résine dedans. Ça peut être sympa, ça. Ouais. Ouais, ça peut être sympatoche, ça, à faire. Donc voilà, on a eu ça. Et on a eu aussi un petit stencil, un petit pochoir. Je trouve qu'il irait très bien avec le printemps ou avec l'automne. C'est trop mignon. Ils font des trucs canons des LS Design. Puis en plus, c'est vraiment exclusif pour le calendrier de l'Avent de Perrine dans mes pochettes. Parce que ça n'a jamais été vendu avant. Donc, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et pour le calendrier de chez Scrap Didier, on a eu un petit tampon comme ça, note. Ça peut être super sympa pour mettre un titre et un chiffre. Ça peut être cool. Y a les dimensions dessus. Non, il faudrait que je le mesure. Parce que je sais pas si ça pourrait tenir sur une carte Project Live pour faire un. Un haut, ça peut vous savez, marqué semaine numéro ou troisième semaine ou un truc comme ça. Je crois que ça peut être plutôt pas mal. Et on a eu un lot de 26 étiquettes qui vont avec la collection Mon Journal de Souvenirs. Donc, je crois que j'ai déjà eu des choses de la collection. Oui, on a eu les petits autocollants comme ça. Il faudrait que je regarde. J'ai pas regardé sur les autres si ça faisait partie de la collection. Mais voilà, on a déjà plein de petits trucs. Peut-être que je vais me la prendre, on va voir. J'irai voir sur leur site. Donc j'ai mon doudou qui est en train de pleurer, qui n'est pas encore endormi. Je vais aller voir ça et après je reviens pour faire mon dédé. Ça fait déjà 3-4 fois que je vais voir mon loulou. Et il dort toujours pas. J'espère que ça va le faire. Ah, il est déjà presque 3 heures. Je vais me mettre un petit coup du Spotify. Et pour scraper, la plupart du temps, je mets cette playlist-là. Pour moi, ça me sert vraiment à me concentrer. Alors, j'espère, je ne sais pas si ça fait un. Voilà. C'est vraiment, vraiment top. C'est de la musique toute douce, mais un petit peu rythmée. Moi, c'est ce qui me permet de me concentrer à mort. Allez, c'est parti. Thank you.
Voilà, j'ai terminé mon petit instant créatif de la journée. Il est pratiquement 4 heures. J'ai un petit colis à préparer. Mon loulou à aller chercher, à réveiller surtout, et ma grande à aller chercher. Donc, voilà, ma petite journée scrap est terminée. Je vais ce soir imprimer les photos que j'ai déjà. Et surtout, avant le goûter, il va falloir que je range tout ça. Donc ce soir, impression de photos. Je vais continuer aussi ma page en crochet qui n'est toujours pas finie parce que hier, j'étais tellement KO, je suis allée me coucher direct. Et donc voilà ce que je vais faire ce soir. Je vous fais la petite mise à jour demain. Demain, on est mercredi, donc ma loute, elle va au centre le matin. Donc c'est peut-être à ce moment-là. Ah, bah voilà, il faut que j'aille réveiller Doudou là. Hop, voilà. Donc je disais au centre le matin et l'après-midi elle est avec moi et c'est souvent l'après-midi que mon petit chat il fait des grosses siestes. J'ai aussi trouvé ce petit bout là et à mon avis ça va bien aller sur un côté. Alors je sais pas sur lequel je vais le coller mais voilà j'ai retrouvé ça. Donc pour moi c'est terminé aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ou à tout à l'heure. J'ai pas assez de doré, maman. C'est pas le temps. Pour une fois, maman, c'est pas assez doré pour faire une pente. Attends, je dois régler quelque chose. Tu fais pas de bruit, Lou. Je filme et je pars, d'accord? Ok? Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Qui dit mercredi, dit activité. Donc pour ma fille... c'est la peinture. Et moi, comme j'ai pas trop la forme et que je peux pas squatter toute la table pour m'éparpiller pour mon scrap, j'ai sorti la super vieille machine à écrire de ma maman qui date au moins des débuts des années 90. Mais elle fonctionne encore. Donc, c'est une machine à écrire électronique. Et je crois que j'ai réussi à trouver des rechanges pour pouvoir écrire. Donc, ce que j'avais envie de faire... sur mon journal de dessin, bon, la luminosité n'est pas top. C'est pour mon journée 2, ma playlist. En fait, sur le fond de ma page 1, en fait, ça va être plein. En fait, vous arrêtez avec ça, en fait. Il va y avoir 12 petits carrés. Donc, de l'autre côté, il va y avoir des photos et des décorations. Et sur les 12 petits carrés, en fait, j'arrête avec ça, en fait, il m'agace. J'ai découpé... une feuille de papier décoré, donc un espèce de faux uni qui est un petit peu vert très très clair. Moi ça se voit pas. Je vais peut-être allumer la lumière, faire quelque chose. Je sais pas si on verra mieux. Bon, vous voyez ma pince pour filmer. Non, on voit même pas, on dirait que c'est gris. Bref, c'est vert très très clair. Et sur chacune, je vais écrire le nom de mes chansons préférées de Noël. Bon, ça change jamais d'une année à l'autre, mais à chaque fois les idées sont différentes. Et j'ai rajouté 2 chansons de Noël par rapport à l'année dernière. Donc en fait dans chaque petite case il va y avoir le nom et l'artiste des chansons de Noël pour faire face à cette petite page ici. Donc ce sera une double page qui sera sans photo pour une fois. Et je vais m'essayer à l'exercice et je vais voir si ça rentre bien dans les cases. Allez, c'est parti. Bon, bah, petit update, ce que j'ai acheté, en fait, ça rentre pas dans la machine, donc j'ai plus d'encre pour faire ce que je voulais, je suis dégoûtée. Je vais essayer de voir si je peux le faire à l'ordinateur, mais là, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Donc, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je pense que je vais imprimer mes photos, comme ça, au moins, j'aurai quelque chose de fait dans la journée. Ah, j'étais toute motivée et tout. Je pense que je vais faire ça. Je vais imprimer mes photos tranquillou et je vais continuer ma petite page en crochet qui avance petit à petit. Mais elle avance. Allez, c'est parti. Il faut que je range tout mon bazar maintenant. Remise à jour, finalement elle fonctionne, c'était juste la bande de ruban qui était à l'air libre qui ne fonctionnait plus. J'ai juste un petit peu avancé la bande pour que ça, tout ce qui était sec ce soit dans la cartouche et finalement ça refonctionne. Donc let's go, je fais ce que j'avais envie de faire.
Ça y est, je m'en suis sortie. J'ai pu mettre tous les petits noms. Donc après, j'ai forcément beaucoup de place. Je vais pouvoir mettre des petites décos. Ça va être super top. Je suis assez contente. Je me demande si je n'ai pas faire d'autres choses aussi avec la machine. Mais je ne sais pas combien de rubans il me reste. Donc je vais voir déjà où est-ce que je pourrais en mettre pour garder la bande au maximum. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser comme ça pour le moment. Je vais faire les petites décos à chaque fois dedans. Et comme ça, ce sera prêt quand je pourrai mettre les photos. Et donc, je vais aussi... Il est déjà 3h30. Je vais voir si je peux déjà imprimer quelques photos avant que Loulou se réveille. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on est jeudi, il est déjà 2h10, j'ai presque plus de voix. J'espère que ça va aller pour filmer aujourd'hui. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup parlé. Hier, j'ai pas eu le temps, je sais plus si j'ai eu le temps de conclure la journée, mais j'ai rien fait de plus. Si, j'ai fait le soir. Grande nouvelle, j'ai terminé ma page de crochet. Hop, que je vous montre ça. Bon, je l'ai mise un peu comme ça à l'arrache pour le moment. Elle n'est pas bien droite, mais ça y est, j'ai fait ma petite page en crochet. C'est trop mignon, je suis trop contente. Ça donne trop bien. Bon, je pense que je vais mettre des œillets, vous savez, assez larges pour que ça puisse faire que ça puisse faire bien un anneau, tout ça. Mais je suis assez contente, ça rend trop, trop bien. C'est trop beau. J'ai trop hâte de voir ce que je vais faire avec, je ne sais pas encore. Mais je suis assez contente, je suis assez fière de moi, ça fait super sympa. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, donc j'ai encore une photo à imprimer que je n'avais pas fait hier. C'est les toutes petites qui va être sur mon calendrier de l'Avent. Et après moult et moult essais, en fait la Fuse, elle ne fuse pas bien les pochettes Simple Story.
Ce que j'ai fait hier, en fait, eh ben, voilà, ça se détache complètement. Donc, ça ne tient pas du tout. Ça marche sur les pochettes qui sont moins épaisses. Mais celle-ci, ça ne marche pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que ben, j'ai sorti du fil, je vais y arriver, hein. Des petits fils, une aiguille, et je pense que, parce que moi, ma machine à coudre, pour l'instant, elle est capoute, elle ne marche pas. Il y a quelques temps, quand j'ai fait un album, je crois bien, c'est peut-être le Daily December de l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai cousu là où il y avait de la colle, et en fait, il y a tout le mécanisme qui est complètement bloqué. J'ai acheté de l'huile exprès pour machine. Je vais voir si je peux réparer. Mais là, voilà, j'ai pas envie de perdre une journée pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc coudre ça. Coudre plutôt les pochettes, là où il y a les traits de la fuse. Et ce que je ferai pour les autres pochettes Project Life, si j'ai envie, je crois que je les ai déjà fait, mais je crois que ça tient pas non plus beaucoup. Et ben, je le ferai avec une autre couleur, tant pis. Ça fera un petit côté en plus couture. En plus de ma super page en crochet. Donc, je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. Je vais mettre les photos de la première page. Pardon. Et il faut aussi que je découpe... hop, parce que j'ai pas eu le temps hier, que je découpe voilà, les phrases que j'ai mis. En fait, j'ai mis les titres et les auteurs de chansons de Noël. Et ce sera la page recto verso de ma page de mon thème numéro 1 qui est le calendrier. Et comme ça, je vais les décorer et je pourrai mettre en même temps ces petits trucs. Cette petite playlist. Parce que pour la numéro 2, je ne vais pas mettre de photos. Donc ça fait déjà un petit programme, mais je pense que ça va être très très long de les faire à chaque fois. Donc eh ben, je vais m'attaquer tout de suite, j'imprime ma photo, je la découpe et je commence tout de suite le brodage avec mes fils de points de croix. Est-ce que je vais vous filmer? Je vais vous filmer peut-être un tout petit peu quand je vais broder, mais il n'y aura rien d'intéressant, ça va être toute petite journée aujourd'hui. Je vous reprends tout à l'heure quand c'est la fin de ma petite session scrap, de mon petit moment scrap, pour vous montrer comment ça donne et pour clôturer la journée. Il ne manquera plus que demain, qui sera la dernière journée de mon vlog, de mon Christmas vlog. Je ne sais pas si je vais faire la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je serai chez mes parents et chez ma belle-mère. Et chez mes copines. Et après, c'est Noël et tout ça. Donc, je sais vraiment pas si je vais faire. Je vais essayer. Ou alors, ce sera peut-être un mini vlog de vous filmer mes petites sessions scrap si j'ai le temps. Parce qu'il reste encore quelques cadeaux à voir et des copines à aller voir. Donc, je sais pas encore. Je verrai bien. En tout cas, pour le moment... Ah, bah c'est ça. Je me demandais que j'avais un autre truc aussi à faire à la machine à écrire. C'est mon petit récapitulatif des jours. C'est ça qu'il faut que je fasse encore à la machine, donc je le ressortirai ben, peut-être demain, parce que là franchement je pense pas qu'aujourd'hui je le sortirai. Bon, allez, let's go pour la couture. Thank you.
Donc voilà, je vous reprends. Oh, je vous ai dit, ma voix, elle n'est pas terrible. Il est 4 heures. Il y a mon petit loulou qui est bien réveillé. Et moi, je vais continuer à faire ça. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps quand même. Mais maintenant que j'ai fini mon crochet, le soir, je vais avoir à faire ça devant la télé. Ça va être bien. Donc voilà, je vous finis ma journée. Hop. Avec la fin de ma première ligne de point de croix, les doigts tout bousillés, je crois que je vais prendre mon dé de couture, ça va être beaucoup plus facile. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les cris de mon petit loulou. Donc je vais aller le chercher et je vous dis à tout à l'heure pour la dernière journée de ce vlog. Donc je vous fais des gros bisous. Allez, à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve et on n'est pas vendredi, on est quelques jours plus tard, on est déjà le lundi. J'ai pas filmé vendredi parce que le petit s'est réveillé à 5h du matin. Donc vous comprendrez que le matin j'ai fait la sieste en même temps que lui. Et donc l'après-midi je me suis occupée de la maison et de mes enfants. Parce que vu qu'il a fait une grosse sieste ce matin, évidemment il n'a pas fait de sieste cet après-midi. Et il y a la caméra qui s'en va. Donc c'est juste pour, je vous reprends juste pour clôturer le vlog parce que ce week-end je pars chez, vous voyez bien, je suis chez mes parents avec le petit sapin de Noël qu'ils ont fait juste derrière. Et donc je ne ferai pas forcément de vlog cette semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et toute la famille qui arrive, donc j'ai pas envie de bloguer. J'espère qu'en tout cas ce vlog il vous aura plu. Je le poste un petit peu tard, mais voilà, le week-end, c'était compliqué. Les valises et tout ça, ranger un peu la maison, ça a été très... Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Donc j'ai pas pu le faire, donc je vous le fais là. On est lundi, je vais commencer à le monter là, juste après cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vais peut-être vous faire une vidéo pour au moins vous montrer l'avancement de mon Daily December parce que j'ai pris tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, désolée, j'ai été interrompue. J'ai une petite louloute qui voulait montrer sa tête. Donc, je vous dis que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'avancée de mon Daily December parce que j'ai amené tout ce qu'il faut pour le faire. Et je compte bien le faire. Et là, j'ai un autre petit loulou qui veut me grimper dessus. Donc, voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo en fin de semaine, juste après Noël, pour vous montrer où j'en suis. Et je pense qu'on terminera le mois de décembre comme ça. On verra bien. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très, très bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!